Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'acte 1 du livre 2. Aujourd'hui, on est sur le chapitre 1 et du coup sur la quête numéro 1. C'est notre avant-dernier passage sur cette quête, avec une quête pas trop compliquée, hein, avec du coup plaisir à brûler, tu as du feu et charge puissante. Donc là, l'intérêt va être de passer avec un petit peu tous les persos. Et on arrive contre le boss. Alors, faut savoir que cette ligne-là, je l'ai déjà tentée avec Corvus comme perso principal, avec Proxima. Le souci, c'est contre le boss, je me suis foiré. Et du coup, j'en avais eu... Ça m'avait saoulé parce que, genre, j'avais fait toute ma ligne pour être avec Corvus. Et genre, j'avais fait de la merde sur le boss. Donc, voilà, j'ai voulu recommencer, donc... Oh bah oui. C'est pas dingue non plus, hein. Oh, et il y a même pas d'incinération qui pop. Putain. Ça va être long. Ah mais c'est pas possible, sans déconner, non mais. Oh. Pas possible ça. Ça c'est mieux. Ok. Ouh, ça c'était bien ça. Ouh, ça c'était bien. J'ai bien aimé là. Ouh, là je vais bien aimer aussi, je crois. Oui. Pas mal du tout. Ok. Et ben c'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. On a eu du mal à démarrer, mais quand on a démarré, après c'est pas mal. Ok, allez, il nous reste 5 persos et après on arrive contre le boss. On a un petit Hulk. Un petit Hulk. On va y aller avec Domino. On va y aller avec Domino. Allez. Par contre, faut mettre du coup quand même des voilà. Faut quand même mettre des incinérations. Oh là là, c'était tentant mais aucun intérêt s'il n'y a pas d'incinération. Putain, c'est dingue. Sérieux? Est-ce que ma réduc de comp elle interviendrait pas là-dedans? Je suis pas sûr. J'espère pas, hein. Bon, par contre, putain, il veut les faire cette paix ou quoi là? Et il le lance comme un enfoiré dans le vide, quoi. Je comprends pas pourquoi. Allez, le petit spé. Bon, malheureusement, il va pas être dingue, hein. Oh putain, il enlève rien. Oh, il enlève rien du tout. Il enlève rien du tout, forcément. Hein, le saignement critique est sympa. Il a du mal hein, quand même. En 57 coups, il a fait que 2 spé. Enfin, moi en tout cas, je suis à 57 coups. Il a fait que 2 spé. Là, ça va. Allez. Par contre, la réduc de comp pour l'empêcher d'enlever les debuffs, ça c'est lourd. Bon là, ça a pas marché. Ça peut pas marcher à chaque fois, hein, mais bon. Et ben, c'était moins long avec Warlock. Hein. Oui, là ça va être bien là. Oui, ça va être bien. C'était bien avant qu'il enlève les debuffs. Bon, sinon,
Oh, des petites incinérations. Enfin, il en met une. Bon, ça tue ou pas? Voilà. Oh, il met... En fait, il met des saignants en critique au moment où, où il n'y en a plus besoin, en fait. Globalement, c'est un peu ça le délire, quoi. Ok. Thor Ragnarok. Bon, pareil, on va y aller avec Domino. Après, il y a un Diablo qu'on va exploser. Et après, je crois qu'il y a Gamora et Corvus, je crois, où on va aller avec Doom, globalement. Donc. Allez, faut mettre une incinération. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Non, non, c'est un scandale. C'est un scandale! Non! C'est un putain de scandale! Quoi? Non, mais. C'est une putain de blague, non, mais sans déconner, quoi. Vraiment, là. Est-ce que tu me prendrais pas un peu pour un con, quand même? Putain, il n'y a pas une incinération qui pop! Putain, il y a 20... 20%! 20% de chance de faire pop une incinération! Sérieux, putain! Oh. Ah, mais c'est la mort, hein, de toute façon. C'est la mort, là, hein, pour Domino. Hein. C'est clairement la mort. C'est clairement la mort. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Je peux rien faire, là. Je vais prendre incinération sur incinération. Ça n'a aucun intérêt. Le truc, il dure des années. Si j'arrive à le maintenir sous malchance, à la limite, mais là, c'est impossible. C'est impossible. Il va m'en refaire un, en plus, ce connard. Putain, il va m'en refaire un, en plus, ce connard. Putain. Qu'est-ce que tu veux faire, sans déconner? Qu'est-ce que tu veux faire? Le premier... En fait, là, le deuxième spé, c'est normal que je le prenne. C'est normal, parce que je suis obligé, à un moment, de taper, de faire des trucs et tout. Je suis obligé de prendre des... Enfin, de tenter des trucs. Je suis obligé de tenter des trucs, de toute façon. C'est normal. C'est normal. De toute façon, il n'y a pas une incinération qui pop. Si, elle pop à la fin, quoi. Elle pop à la fin. Ça, c'est pas. Vous voyez ce combat-là, c'est pas normal. C'est scandaleux, franchement, ce combat-là. Parce que le spé, c'est pas normal qu'il parte dans la garde. Le spé, c'est pas normal qu'il parte dans la garde, là. C'est pas normal. On peut me dire ce qu'on veut, c'est pas normal. Tant pis. Bon, t'es. Après, c'était pas le perso qui me servait le plus. Mais c'est par principe, c'est par principe. Là, je dois jamais faire. Enfin, ce chaos-là, c'est pas normal, en fait. Il est pas normal. Il est pas normal. Alors oui, j'aurais pu y aller avec Doom, hein, j'aurais pas pris de décharge au moins. Oui, j'aurais pu y aller avec Doom, mais je peux aussi avoir un spé qui pop bien, quoi. Hein. C'est aussi possible. Hein. Non. Non. Ouais, et ben on va oublier le spé 2. Hein. Le spé 2 est beaucoup trop long. Le spé 2 est trop long, et en plus de ça. Le SP2 est trop long et en plus de ça, ouais, c'est pas dingue. Hein. C'est pas dingo. C'est pas dingo. Allez. Oh, les incinérations. Oh, ça va. Il y en a une qui pop sur le SP, ça me va. La lumière commence à s'estomper un peu. Bon, ça va, la vidéo va pas durer encore trop longtemps. Ça va tuer quand même. Oui, ok. Alors, je me suis dit, ça va pas tuer? Sérieux? Ok, bon. On est bon. Mais ouais, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu du tout. Bon, on va y aller avec Diablo. Et après, on va passer, je pense, Torche en Nova. Sur Corvus, enfin peu importe, Corvus ou Proxy, enfin Corvus ou l'autre, peu importe. Allez. Ok. Ok.
Allez, tu me fais ton SP2 maintenant, là. Allez, oh, il va attendre. Il va attendre le moment où il y a le moins. Où il y a le moins de Nova, quoi. Ok, bon, ça c'est fait. Ensuite, est-ce qu'on n'irait pas avec Torche? En vrai, ça sert à rien qu'on essaye avec Warlock ou avec Doom qui pourront peut-être plus nous servir contre le boss. Là, on va plus essayer d'y aller, je pense, avec Torche qu'on va changer. Hein. Torche, on va le changer clairement. Donc, on va faire Gamora normalement et après, on ira contre Corvus avec la Nova. Faut juste que Torche soit encore là. Voilà, c'est tout. Alors, ce qui est bien avec la borne, c'est que du coup, elle me permet déjà de mettre des dégâts d'inspiration plus importants. Mais en plus de ça, elle me permet de passer en Nova plus facilement. Alors, ça, faut que je fasse gaffe. Voilà. Alors, par contre, pour passer en Nova, bien évidemment, il faut que je sois à 20. Ok, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Le SP2. Super. En plus que de ça, les debuffs n'ont pas des pop. Voilà, on repasse en Nova. Ah bon, on y était déjà en fait. Je suis con. Voilà, on repasse en Nova. Toc le SP2. Et on va essayer de rester en Nova. Voilà, on va y repasser directement. Voilà. Et là, on est full Nova. Elle peut absolument rien faire. Même pas 60 coups. Emballé, c'est pesé. Ok, on utilise la Nova pour Corvus et on finit. Bon, globalement, je pense que Torche aurait pu faire toute la ligne. Hein, mais je me suis dit, écoute, on va tenter de répartir un petit peu. Bon, au final, ça m'a pas tant que ça réussi. Après, je pense que j'aurais pas fait Thor Ragnarok quand même. Quoique. Non, j'aurais pas fait. J'aurais pas fait. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a plein de Nova, quoi. Ah, ça, je pourrais le prendre dans la garde, à la limite. Je pourrais le prendre dans la garde, le SP1. Ah, il me donne rien? Ah, je pensais que c'était énergétique. Ah, autant pour moi. Je pensais que c'était énergétique, merde. Ah, d'accord. Le petit SP2 derrière, ça serait beau. Oh là là. Allez. Ok. Est-ce qu'on a fait en moins de coups? Oui, normalement, avec les Nova, on fait moins de coups. 43. Pff, 43. On l'a pas respecté. On ne l'a pas respecté. Est-ce que j'aurais pas une petite lumière à allumer, tiens. Ça pourrait être pas mal, ça. Ça pourrait être pas mal. Ok, on va changer. Alors, là, on va tenter un truc, hein, clairement. Je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. On va mettre Magnéto Blanc. On va mettre Magnéto Blanc. Et il va nous activer la charge qui, en théorie, nous permettra de faire des parades passives. Normalement, les attaquants métal et héros déclenchent des effets d'étourdissement passif à la place des debuffs avec la maîtrise parade et ils durent 0,5 secondes plus longtemps. Donc normalement, Warlock servira à ça. Doom, lui, l'avantage c'est qu'il a son étourdissement passif. Et ensuite, il y a PX qui, elle, a l'étourdissement passif aussi. Donc, on va aller en tempête de glace. Allez, tornade pyramidix, c'est parti. Et au-delà de ça, on a 15% d'attaque en plus. Alors, ça n'a pas marché. Ah si, ça a marché, ok. Et en plus, il y a vulnérabilité étourdissement. C'est ça qui est intéressant. Là, on va lui mettre du coup une vague de froid. Et normalement, on la défonce bien. Normalement.
Allez, on continue. Ok. Ah oui, parce que j'ai Dex une. Oui, d'accord. Ça, c'est beau. Faudrait limite que je sois dans la dernière tempête, hein, parce que là. Yes, ça c'est pas mal ça. Ah mais par contre il y a ténacité, ça c'est chiant. Ah, bon, on fait plus de dégâts pendant la pendant l'étourdissement. Allez, fais-moi le spézeux. Allez, c'est ton dernier moment. Bon, bah, je vais le prendre dans la garde. Ou même tout court. Hein. Ou même tout court si tu continues. Hein. Putain, fais chier. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre un spé 3, c'est pas grave. Il le fallait parce que là, elle voulait pas faire son spé. Donc tant pis. En vrai, on l'a bien éclaté quand même. Hein. Je l'ai bien éclaté. Je vais aller avec Warlock. Je vais aller avec Warlock. Normalement, il y a le stun passif. J'espère en tout cas que ça marche. Ça se trouve, ça ne marche pas. Hein. Mais normalement, sinon j'ai vraiment pris pour rien, quoi. Je l'ai peut-être pris pour rien. Oui, j'ai l'impression que je l'ai pris pour rien. Vraiment. Oui, j'ai l'impression que je l'ai pris pour rien. Bon, néanmoins, c'est quand même pas trop mal. Hein. Enfin, il y a vraiment moyen de lui faire des trucs hein, à elle, hein, quand même. Parce que là. Ah, fallait pas faire ça, fallait pas faire ça. Qu'ai-je fait, mais qu'ai-je fait? Ah! J'ai fait de la merde parce que j'avais juste à Dex une attaque et je sais pas pourquoi j'ai attaqué. Yes. Faut juste dex une attaque après, dès qu'il y a des charges d'évasion. Ok, bon, bah tranquille. Tranquille, tranquille. On a fini ce petit passage-là. Il nous restera juste un passage sur cette quête. Donc on avance bien. On avance très très bien. Ça fait plaisir. On doit être, je pense, à peu près à la moitié hein, de ce chapitre, hein, globalement. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Des nouvelles unités qu'on est allé chercher. Donc 90, ça fait plaisir également. On se rapproche des 15 000. Hein. Voilà. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à aller voir tous les autres épisodes qui sont sortis. On va faire une petite pause à partir de maintenant pour faire de la variante 6. Et on reprendra du coup à la fin de la variante 6. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Et on se retrouve très très vite. Salut.